à toutes bonjour à tous j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de mai on se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de juin 2024 avec un jupiter qui est passé en gémeaux le 25 mai et qui apporte un gain dans l'acuité mentale jupiter c'est l'amplificateur voilà c'est le généreux l'amplificateur c'est le mégaphone aussi et comme la communication est une caractéristique du signe des gémeaux Bon gré malgré, on communique. On peut avoir des accélérations au niveau de la pensée, au niveau des dénouements, des déblocages. On verra comment ça se passe dans votre signe. Il en reste deux, balance. Et Sagittaire. Alors mes très chers, avant de savoir quel signe va parler en avant dernier, je tenais à vous remercier pour vos messages, vos commentaires, vos likes. Regardez ma guirlande euh, qui fait, euh, qui a commencé à frétiller au moment où je vous dis ça. Euh, donc merci à vous. Ça fait vivre la chaîne et surtout ça motive, ça encourage beaucoup à continuer et surtout je sais à qui je parle puisque sinon, voilà, je parle à un mur concrètement toute la journée. Et là, au moins, j'ai une interaction vivante et humaine. Et grâce à vous, eh bien, ça permet encore plus d'avoir envie de continuer. Merci à vous. Allez, on y va, c'est parti. Lequel des deux va sortir de toute façon Vous allez tous y passer. Alors, bon, ben bah, voilà. Balance à votre tour. Alors le nœud sud qui occupe votre signe depuis déjà euh, juillet, donc quasiment un an, euh, et qui euh, sera encore dans votre signe jusqu'en janvier 2025. Donc on a le temps de le voir venir hein, encore euh, si, si bon mois. Euh, néanmoins, alors je pense que il va y avoir comme un... Comme une sensation hein, de ça y est, on commence à respirer, puisque ça a bien travaillé. Là déjà, ça a bien brassé au niveau des relations, au niveau de la posture, du positionnement entre le soi et les autres. Donc vous représentez euh, la maison 7 des relations, mais aussi la communication et l'imagination. Alors tout ce qui va être pensée en fait, pensée, parole. Donc ici, oser imaginer. Il y a une métamorphose hein, au niveau de votre imagination. Au niveau aussi, j'entends derrière oser imaginer l'ambition. Donc, la vision ambitieuse. <laughs> D'accord. J'aime, j'adore quand ça se passe comme ça. La maison 7, votre maison, je, en plus j'en ai parlé, donc les partenaires. On vous parle donc de partenariat, de contrat d'âme et de contrat professionnel. On parle aussi euh, de choisir un petit peu mieux ses relations, de choisir aussi son entourage. On va voir euh, ce que le symbolon vous dit. Alors pour les amis du signe de la balance. Alors on a bélier capricorne, deux signes cardinaux comme le vôtre. Derrière on a quoi L'alchimiste, d'accord. Ensuite, sauter... Oh, l'élève avec Gémeaux et Sagittaire. Alors, il y a eu quelque chose. On me dit que vous vous battez depuis longtemps. Il y a une direction. Il y a une, une ambition, quelque chose qui vous tient à cœur ici. C'est vraiment... Euh, euh, l'état que j'ai. Hein, C'est pas forcément ce que dit la carte, mais moi j'ai vraiment ce côté, euh, voilà, avec les deux, même les trois, quelque chose qui vous tient à cœur et qui est laborieux, qui est pénible, qui est long, qui est chiant, qui est euh, qui, qui mobilise, qui requiert toute votre force, euh, force mentale, patience, euh, résilience, parce que voilà, on voit ici avec le soleil et Saturne que il euh, y a eu un fardeau. Il y a eu quelque chose que vous avez porté, le poids d'une responsabilité. Là, on a quand même le, le signe du Sagittaire derrière qui vous dit, en fait, c'est une bénédiction déguisée. Ça permet d'apprendre, désolé les notifications, ça permet d'apprendre quelque chose. Là, on a quand même l'axe de l'apprentissage avec Gémeaux Sagittaires. Et on a aussi l'adaptabilité. Voilà, ok, d'accord, j'accepte d'apprendre à faire différemment, à ne plus porter le poids des autres sur mes épaules. Et aussi quelque chose que j'ai attendu depuis longtemps, en m'échinant à, rem à remplir, euh, comment dire, à le faire d'une certaine façon, en pensant que c'était la façon la plus rapide, et, que, et là je viens d'apprendre euh, en fait à changer de méthode ou à utiliser d'autres ressources que la force. La force, la combativité, bélier et, bé bé dire bélier et Cardinal. Bélier et Capricorne sont des signes cardinaux comme le vôtre. Cardinal, c'est vraiment la direction. C'est voilà, celui qui ouvre la saison. Donc, celui qui ferme la saison, d'ailleurs, on a deux signes cardinaux, deux signes mutables. Donc, j'ouvre et je referme. Et surtout, entre-temps, voilà, je fixe et je réouvre. Donc là, il y a ce côté. Ok, je comprends que ce qui me tient à cœur, je peux y tenir, dans le sens créer un attachement et euh, vouloir absolument que ça se passe. Néanmoins, je ne suis pas obligée d'être dans le labeur, dans la difficulté, euh, dans la force, euh, dans la pénibilité. Voilà, c'est le mot que j'entends là ici, pénibilité. Avec Gémeaux et Sagittaire, c'est un peu, oh, on verra bien. Voilà. Par exemple, Gémeaux Sagittaire, ça aime pas trop trop euh, euh, les obligations euh, sans profondeur, euh, voilà, par exemple euh, aller à la poste euh, en temps et en heure <laughs> bon des fois c'est peut-être on est tête en l'air, hein, je dis on parce que euh, j'ai mon soleil en gémeaux ma lune en sagittaire et il y a vraiment ce côté, euh, ouais bon c'est quoi, c'est pas grave, on verra bien ça retombe toujours sur ses pattes, hein, ça aime bien, euh, voilà, c'est distrait facilement, ça se distrait facilement et là c'est comme si on vous disait vous avez bien travaillé, autorisez-vous un peu de, de distraction, c'est pas nécessairement laborieux. Vous n'allez pas relâcher votre rêve, vous n'allez pas l'abandonner, vous n'allez pas euh, euh, comment dire, euh, vous n'allez pas ne pas le concrétiser. Mais dans la méthode, là, vous y mettez tellement d'implications, si vous êtes là-dedans, hein, si vous reconnaissez évidemment, que en fait, vous ne trouvez plus d'axe amélioratif. Ou bien amusant et c'est pas supposé être laborieux voilà c'est un autre point de vue alors on va euh, on a les, la bénédiction l'impératrice oui il y a eu quand même euh, cette posture à travailler alors on les met là et on va les voir dans quel domaine enfin domaine par domaine quels sont les messages les énergies donc pour vous balance au niveau professionnel aïe on a un 4 de bâton renversé alors, soit vous êtes trop solo, soit vous Alors, soit vous voulez travailler en solo, parce que le groupe n'est pas euh, forcément très amusant, enfin, dans le sens, euh, euh, c'est pas forcément porteur. Hein. Il pourrait y avoir des personnes qui, euh, euh, qui se la jouent un peu solo, qui tirent la couverture sur elles-mêmes, qui sont euh, assez portées sur, euh, euh, comment dire, genre, je tire profit, j'entends, parce que quatre de bâton avec un roi de denier comme ça, ça peut être très... Euh, ambitieux, calculateur, euh, porté sur... Euh, voilà, je, à coûte que coûte, quoi. C'est un peu euh, Dallas, ton univers impitoyable, hein, donc dans l'ambiance. Après, bon, un cadre de bâton renversé, c'est pas non plus euh, euh, très grave. Hein. Ça peut aussi vouloir dire qu'il est temps aussi de s'amuser. Mais parce que là, c'est plus un havre de paix. Hein. L'intérieur de vous, ça peut être ça. Et vu votre... Euh, comment dire votre objectif, ici, on pourra avoir un objectif avec le roi de denier derrière le 3 de denier, c'est de bosser à son compte ou d'être. Euh, donc voilà, si par exemple l'ambiance devient délétère et que vous aviez posé l'intention ou émis le souhait vite fait, quand même, attention des fois, méfiez-vous, ça peut aller très vite. Euh, vous aviez émis le souhait vite fait de, de bosser à votre compte, paf, l'ambiance devient délétère pour que vous bougiez, pour que vous bossiez à votre compte, mais sans plan d'action, sans. Euh, comment dire euh, Ouais, il y a une retenue en fait. Si vous vouliez être. Euh, de, en fait, dans l'abondance, on vous dit euh, rapprochez-vous aussi des personnes qui vous font être dans un havre de paix. Un cadre de bâton, c'est supposé être. Euh, euh, je ne sais pas moi, c'est comme. Euh, on va dire un. Moi, je vois ça comme un chapiteau de mariage, en fait. Voilà, c'est vraiment ce côté, euh, euh, tout le monde s'amuse, on est de bonne ambiance, quoi. Et en fait, là, j'ai l'impression que soit vous êtes retenu ou c'est retardé. Il hein, y a une, une sorte de, voilà, de célébration retardée. Si vous voulez être à votre compte, alors ce qui se passe aujourd'hui est juste parfait. C'est-à-dire que, alors peut-être que vous êtes retardé pour être à votre compte parce qu'il n'y a pas de plan d'action. Hein, euh, concret, ou peut-être parce que ça génère plus de stress que ça devrait générer de bonheur. Et troisième possibilité, ça devient délétère et euh, bah, il est temps de, de juste bouger. Vous avez peut-être affaire à des personnes calculatrices aussi. Là, je vais voir, je vais voir, je vais recouvrir après. On continue, on va aller sur le sentimental. Donc, le sentimental pour vous, valet de coupe, très sympathique. Alors, le chariot, valet de coupe, il y a... Euh, ah, il y a quelque chose qui se... D'accord. Il y a quelque chose qui se réouvre pour vous. Ok. Quelqu'un qui veut parler. Ou une ouverture. Euh... Ouais, prise de conscience et compréhension. On a... Voilà, je ne vais pas m'avancer. Je sens qu'il y a quelqu'un en face. Alors... Dans le développement perso, 9 d'épée, alors là c'est directement encore le même dos de deck que le professionnel. Donc beaucoup de stress. De... Alors le 9 d'épée c'est la paranoïa. C'est-à-dire euh, là on envisage vraiment le pire. Hein. On est parti dans le... Quel le, le, est le fuck Quoi c'est Attends, non mais je suis plus du tout rationnel. Voilà pour vous dire un 9 d'épée. C'est euh, souvent le mental qui, euh, qui prend les rênes, qui va envisager le pire. Euh, c'est euh, l'anxiété, hein, les personnes qui, euh, qui sont anxieuses. Mais euh, j'avais lu un article qui était assez intéressant, qui disait que finalement les personnes anxieuses, même si elles envisagent le pire, c'est finalement elles qui s'en sortent le plus rapidement que les autres personnes. Donc euh, c'est ce phénomène de vivre en mode survie, de vivre en mode, il va m'arriver un truc qui n'est plus possible et qui bloque aussi l'abondance, qui bloque votre projet au niveau professionnel. Au niveau sentimental, j'ai l'impression que vous avez fait une césure, que ça n'a rien à voir. Euh, Peut-être que vous avez peur que ça n'arrive pas, mais c'est en train de... C'est là, hein, c'est déjà en train d'arriver. Euh, dans le 9 d'épée, pour vous dire, c'est de l'ordre de euh, parce que des fois, on peut envisager le pire et se dire, ouais, non, mais attends, là, je sais que machin. Mais là, le 9 d'épée, euh, c'est euh, plus fort que ça. C'est-à-dire qu'on va le re ressentir. C'est comme un film d'horreur. On va se dire, ça pourrait m'arriver. Donc, on va interpréter et surtout, on va ressentir. Et attention à ça. Parce qu'une fois que vous ressentez, c'est-à-dire que votre corps va générer euh, ce que votre subconscient a compris, hein, ce que vous viviez fictivement, de façon fictive, mais pour lui, c'est réel. Donc ça pourrait très bien se matérialiser. Donc attention aux 9 d'épée. Par exemple, euh, moi il y a un jour où j'étais, euh, j'avais pas encore de voiture. Et euh, je venais de passer mon permis et donc je me disais, oh mais si j'ai un problème de voiture et tout, il faut que j'en choisisse une bien parce que si jamais il y a un problème avec, euh, je ne sais pas, moi, la calandre, et que j'y connais rien, euh, ça, pour moi, c'était des mots compliqués. Donc je pensais que c'était grave. Et j'étais, ah ouais, mais je n'ai pas le budget, merde, comment je vais faire Et après, je me suis dit, mais attends, mais t'as même pas de voiture en fait. Voilà, c'est ça du 9 d'épée. C'est-à-dire qu'on va vraiment le vivre. Avant de, de potentiellement revenir à la rationalité en se disant non, mais attends, mais euh, c'est le monde, c'est pas non plus. Euh, voilà. Euh... Mais à partir du moment où vous le ressentez, c'est-à-dire que vous générez une émotion ou pire, une émotion qui reste, c'est un sentiment, vous pourriez le vivre. Donc. Euh, là, j'ai envie de dire, corrigez-moi ça. Parce qu'il y a. Bon, d'accord, ok. On a un 10 d'épée euh, en spirituel. En fait, il y a eu une expérience. Là, on vous dit, il y a une orientation, un but, un projet, un rêve, un objectif qui vous tient à cœur, avec... qui nécessite énormément de patience pour ce. Voilà, votre but, c'est de vous créer une nouvelle vie, avec une dynamique beaucoup plus harmonieuse, avec euh, de la réciprocité, euh, des compromis non compromettants. Parce que si on se compromet. En fait, on se trahit. Hein. Si euh, quelque chose vous tient à cœur et vous le laissez passer, c'est une forme de trahison. Si quelqu'un, euh, en fait, vous êtes tellement arrangeant, on va dire people pleaser, hein, c'est euh, arranger les autres <laughs> au lieu de s'arranger soi-même. Donc, au lieu de, de, de penser à soi, on va arranger les autres, on va s'arranger pour que eux se sentent bien. Eh bien, on finit par se compromettre et se trahir. Donc là, il y a une renaissance. Une on a une carte mitigée puisqu'elle est tombée à l'envers, une carte positive, une carte positive, et là une carte euh, mi-figue mi-raisin. Alors on va recouvrir maintenant sur ce cadre de bâton au niveau professionnel. S'il vous plaît, je veux le domaine professionnel de bâton, plein de possibilités. Hein. Pour les amis balance, je recommence. Voilà. Allez. Il ne faut pas forcer. Je sens euh, en fait une, une forme de lassitude, mais qui, euh, qui est aux prémices d'un grand changement. Voilà, pour certaines personnes, ce sera ça. 10 de bâton renversé. Décidément. Alors, la tour. Euh... Ouais, le professionnel est pas si... Euh, comment dire en fait dans ce que je ressens, il y a comme une. Euh, comment dire C'est pas un blocage. Peut-être que vous le vivez comme un blocage. Pour autant, moi j'ai vraiment la sensation que c'est pas du tout quelque chose de négatif. Seulement, ça peut être assez, euh, je vais dire, pas compliqué à vivre. Je, je veux pas utiliser des gros mots. Mais j'ai vraiment la sensation là que c'est en fait quelque chose qui... Euh, en fait, qui est. Euh... C'est en rapport avec le 10 d'épée. Me... Enfin, j'entends je, hein, que c'est en rapport avec le 10 d'épée. Euh, je, je recollecte les pensées pour vous le sortir de manière intelligible. Pour moi, vous êtes en train d'apprendre à dire non, à apprendre à ne plus accepter. Attendez, elle est où ma carte Voilà, elle est là. Ici à ne plus accepter les missions des autres, le boulot des autres. Voilà, j'ai l'impression, en fait, que vous êtes au comme du lait sur le feu. C'est l'image que j'ai. Hein. Ça ne veut pas dire que vous l'êtes forcément, mais c'est l'image que j'ai. J'ai vraiment la sensation, ce que la tour, elle est là, et euh, l'envie de. Vous voyez, c'est un peu au revoir président. Sauf que là, on n'a pas gagné au loto, donc on peut pas se permettre de faire un coup de coup d'éclat comme ça. Même si un coup d'éclat, ça pourrait Paraître très très lumineux très machin non non faut assurer les derrière il y, y a un frigo à remplir des enfants à nourrir euh, des charges tout ça l'essence et tout donc j'ai l'impression que vous il y a comme une une ébullition de l'intérieur mais que vous contenez parce que vous savez que les conséquences faut les gérer après faut les assumer et là on n'a pas de denier donc il y a une, une forme de je dois être pragmatique Sauf que je ne peux plus prendre sur moi. Voilà ce que je ressens. Donc, ici, comment faire Eh bien, j'apprends à poser mes limites. Là, vous êtes en plein dedans sur le professionnel. Euh, voilà, une collègue qui dit oh, « J'adore ton collier, ça te va trop bien. Tu as changé un truc, non ?»« ouais. ouais, non, moi, je suis débordée en ce moment, machin, nanani. Oh, »« Oh, tu m'aiderais Oh, c'est vraiment trop sympa. » Mais euh, c'était son objectif depuis le début. Elle vous a fait euh, une petite caresse histoire de faire passer la pilule, et elle a obtenu ce qu'elle voulait et vous à la fin de la journée euh, voilà euh, vous, vous vous sentez comment dire lésé voyez c'est pas trahi mais vous vous sentez quand même lésé et ça c'est plus possible donc ça bouillonne ça bouille ça bouillonne ça moi j'ai vraiment l'impression que vous êtes en train de, de, de contenir c'est pas une rage euh, quoique... Moi, franchement, là, avec la tour, je la sens bien, bien enragée, cette tour. Hein. Je... Voilà. Et, euh... ouais, de... au lieu de... de... C'est dans la manière de parler aussi. Vous avez peur de ne pas savoir comment le dire. Ouais. Parce qu'en fait, savoir dire non, ce n'est pas un problème, mais c'est la façon dont les gens vont le prendre, que vous êtes encore en train de... Voilà, je n'arrive pas à le dire, donc je le fais avec les mains. Vous voyez, vous pataugez, vous êtes en train de, de démêler le, le truc. Euh, en fait, c'est l'assertivité. Voilà, il y a l'axe bélier-balance. Et là, avec le bâton... On a le, le signe de feu, hein, donc euh, ça pourrait être effectivement ne nord ne sud, c'est-à-dire je me positionne afin que tout le monde soit dans la paix, l'harmonie et la joie, mais quand même pas à mon détriment. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, vous êtes en plein challenge. C'est visiblement plus au niveau professionnel que ça ressort. Comment dire non et euh, quand même être apprécié des autres bah, En vous disant je suis dans mon bon droit elle va forcément comprendre. En fait, ce n'est pas tant ce que vous allez dire, c'est la façon dont vous le dites. Si vous dites non, vraiment, je suis vraiment désolée, machin, la personne va sentir que vous êtes, euh, comment dire, en vous excusant, vous savez que vous faites mal. Par contre, si vous dites, alors non, je t'aurais bien aidé avec plaisir, mais là, moi-même, moi j'ai besoin d'aide, là, en fait, vous êtes dans du cadre de bâton, c'est-à-dire que vous comprenez, vous, vous êtes... Euh, on va dire dans une énergie collective de sympathie, de voilà, mais vous n'êtes pas non plus là pour subir en fait. Et donc vous posez sainement une limite, euh, ou alors vous dites euh, d'abord je termine le mien, et elle comprend que vous vous faites passer en premier. Et donc elle va, enfin cette personne, hein, quand je dis elle, c'est une personne, va forcément comprendre que vous vous respectez. Donc, que vous êtes respectable. Parce que si vous ne vous respectez pas, ne vous attendez pas à ce que les personnes vous respectent. Donc, comment se respecter Être déjà raccord avec soi-même. Et si la personne le prend mal, moi, ça m'est arrivé euh, la semaine dernière qu'une personne le prenne mal, je lui ai juste répondu. Elle n'a pas apprécié que euh, je mette pas des smileys, que je la prenne pas par la main, visiblement. Et moi, en tant que telle, je m'en fous. C'est-à-dire, euh, j'ai répondu. J'ai rempli, euh, comment dire, mes, euh, je vais pas dire mes obligations, c'est ce pas une obligation de répondre, mais en tout cas, euh, voilà, j'ai répondu dans la journée. Euh, j'ai été très arrangeante et cette personne a voulu me la foutre à l'envers. Donc j'ai coupé court. Elle est pas contente. C'est pas mon problème. Vous voyez, c'est là aussi où vous mettez une limite. C'est-à-dire, bah, il y a une limite à la compassion, il y a une limite à la compréhension, il y a une limite, euh, comment dire. Voilà. Si une personne dit, ouais, mais bon, moi j'aurais bien aimé euh, quand même, euh, euh, moi j'ai plus de, de charges, euh, nanani, nanana, ou euh, je vois des fois des, des annonces, il y a carrément des groupes Facebook là-dessus, sur par exemple des gens qui vous font culpabiliser parce que, euh, par exemple, vous vendez, je ne sais pas moi, une PlayStation 5, euh, donc à un prix quand même où vous avez euh, euh, une moindre perte. Mais il y a des personnes qui vont vous dire, non, mais je, je, je l'achète 100 euros, oui, mais tu comprends, moi je nanani, moi je nanana, moi je ceci, moi je cela. Bah ouais, mais voilà. Et en fait, vous allez vous dire, bah, elle met dans une posture où c'est moi la méchante. Non, en fait. Voilà, donc c'est là où vous allez aussi poser des limites. C'est-à-dire que ce n'est pas forcément une interaction avec la personne, mais c'est plutôt le rôle qu'on essaye de vous faire prendre qu'il va falloir délimiter. C'est-à-dire, ben là, ce n'est pas le rôle que je, que je veux avoir. Donc, soit vous cessez de répondre, soit vous dites, je comprends. Hein, ça ne m'empêche pas d'être compréhensif, compréhensive, néanmoins. Voilà. Et là, vous remettez, voilà. Néanmoins, voici comment moi je vois les choses. Et là, vous allez voir que vous allez avoir des rapports beaucoup plus facilités. C'est-à-dire que c'est à la personne, ça se trouve, elle bosse un truc, et... On n'intervient pas dans son karma. Vous voyez ce que je veux dire si Ça se trouve, vous êtes son miroir de ce qu'elle n'est pas encore et ce qu'elle aspire à être ou ce qu'elle jalouse. Hein, vous n'en savez rien. Donc le mieux, c'est de, de ne pas spéculer. Hein, euh, ne fait pas de suppositions. Quatre accords Toltec, hein, ne, prend, ne prend rien personnellement, que ta parole soit toujours impeccable, etc. Donc vous allez justement les appliquer et vous dire OK, il y, y a un moment donné où la responsabilité des uns commence quand la mienne s'arrête. Et. Je ne peux pas assumer toutes les charges pour les autres. Voilà, tout simplement. Et vous allez voir, vous allez vous libérer d'un poids. Que pensent les autres de moi Ce n'est pas mon problème. Moi, qu'est-ce que je pense de moi Ça, c'est mon problème. Ah ouais, ouais, quand vous vous couchez là-dedans, vous allez voir que vous allez vous retrouver plus dans la fierté, la dignité, la valeur, euh, l'estimation. Vous allez avoir une meilleure estime de vous-même. Vous réglez plein de choses à partir du moment où vous vous dites. En fait, ce qui importe, c'est comment moi, je me parle de moi. Parce que si je me parle moi, mal de moi parce que les autres, ceci, parce que les autres, cela, en fait, le subconscient, il ne fera pas la différence. Et euh, il va euh, vous, comment dire, vous calquer aux endroits, aux événements, aux circonstances qui vont être en résonance avec votre dialogue interne. Attention à celui-là, hein. je vous le dis. Hein. 8 d'épée. Battler. Nouveau départ qui ne se fait pas. Mais il y a... Ah ouais, il y a les épées et... Ok, vais tout de suite euh, demander là, parce qu'on a effectivement les amoureux. 6 de denier. Alors, pour les célibataires de longue date, pour les personnes qui sont en silence radio depuis un certain moment, attention, je l'explique dans le guide du silence radio, il y a ghosté et silence radio. Ce n'est pas du tout la même chose. Quelqu'un qui vous ghoste, il y a peu de chances qu'elle revienne au contact. Une personne qui se met en silence radio, c'est tout simplement parce qu'elle n'a plus de ressources pour parler. Une personne qui fait du zombying, elle revient d'entre les morts donc c'est entre le ghosting et le silence radio, c'est-à-dire que voilà, on pensait qu'elle avait ghosté et elle zo zombie. Voilà, c'est ressort euh, je, je vous le fais comme ça, la main euh, qui sort de terre et qui va dire hey, "Salut, comment ça va Voilà. Alors, ici, pour moi, il va falloir travailler, muscler votre cerveau. Comme dirait mes Jacques Robert Pires en 98, pardon pour la rêve de l'ancien temps, mais il va falloir muscler son jeu en fait. C'est-à-dire que là, au niveau du mental, on vous oblige à devenir ferme avec votre mental. C'est-à-dire à rechoper les rênes et à dire, attends, c'est moi qui commande. Comme ça, vous allez voir. Hein. Donc là, c'est pas je veux que ça se passe comme ça, je veux et églises Non, c'est plutôt attends, attends, je ne veux pas vivre comme ça, je ne veux pas vivre dans euh, la comment dire ce dialogue, c'est impossible, ça se fera jamais, etc. Là, vous comprenez l'importance des mots avec le valet de coupe. Je pense que vous avez beaucoup de signes, de signaux, de panneaux, de fuit, 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 voilà. Qui vous disent attention à la parole. Peut-être que vous êtes déjà tombé sur que ta parole soit impeccable, etc. C'est le dialogue mental aussi, la parole. C'est pas que parler bien, parler positif. Parce que si on dit ah oh, j'adore, mais qu'en fait on se dit euh, euh, non mais euh, quelle euh, celle-là, votre parole n'est pas impeccable. C'est-à-dire votre vibration est quand même calquée sur Enfin, euh, je donne un exemple, hein, bien sûr, mais votre vibration est quand même calquée sur quelque chose de négatif. Donc, c'est quand même négatif. C'est pas le, le, comment dire, la forme, c'est vraiment la vibration de fond. Okay. Donc, il y a plein d'exemples transposés. Maintenant, ce n'est pas forcé que vous soyez dans ce, cet état-là, mais imaginons que vous dites que c'est pas possible, ça ne sera jamais. Euh, J'aimerais bien que ça se fasse parce qu'on a quand même l'étoile hein, qui parle d'un vœu, euh, qui met du temps à se concrétiser. Euh, en fait, c'est parce que dans votre euh, yang, 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 vous êtes trop dans le yang, en fait. Voilà. C'est-à-dire que là, il va falloir rééquilibrer les pensées et les actions. Ce, imaginons là vous avez un ressenti et en plus vous avez des signaux qui vous confirment vos ressentis, mais alors au niveau de la cabessa, là, la tête, ça ne va pas du tout. En termes de dialogue mental, en termes de. Voilà. Si vous débriefez avec des amis, parce que vous avez besoin reine d'épée et valet d'épée en d'autres decks, vous avez besoin de débriefer, vous avez besoin d'inspiration, vous avez besoin de nouvelles idées. Attention, vous vous placez en élève, vous vous placez en demande, vous vous placez dans euh, que vont dire les autres. Et en fait, c'est une forme de négligence, c'est-à-dire vous négligez ce que votre cœur ressent et vous coupez votre, yang, euh, votre yin, pardon. Vous êtes dans mais non mais c'est vrai que euh, Val, Valou m'a dit euh, machin euh, mais en même temps euh, Corinne m'a dit ce, ça euh, ceci euh, et Catherine m'a dit cela donc euh, voilà et en fait vous coupez avec votre intuition vous avez l'intuition voilà c'est elle est là, mais elle est étouffée par ⁇ oui, mais machin, mais c'est pas possible, mais il m'a bloqué, mais ceci, mais il habite loin, mais cela, mais de toute façon, euh, elle m'a dit qu'elle n'était pas prête, nanani, nanana. ⁇ Et en fait, vous êtes tellement dans le yang que euh, vous êtes tellement... Voilà, c'est un peu ça, hein. c'est-à-dire, euh, vous vous échinez alors qu'on vous dit, non, non, il y a une autre manière de faire. Et là, vous ne pouvez pas recevoir le truc parce que le valet d'épée ici va représenter l'agitation mentale, va représenter la distraction, les distractions. Oui, mais ça se trouve, c'est là. Imaginez, euh, comment je pourrais vous le, vous le montrer on va dire, voilà, c'est ce que j'ai. C'est vraiment l'image que j'ai. Vous avez donc une porte ici, une porte ici, une porte ici, une porte ici. Voilà, je vais utiliser ma déco comme ça. Au moins, ce sera plus clair. Vous, vous êtes là, et vous êtes là. Ça se trouve, c'est 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 là. Ça se trouve. Voilà. Et en fait, c'était, c'est là que ça s'ouvre. C'est-à-dire, il y a un autre truc qui apparaît. Voilà une autre possibilité, un autre truc qui apparaît, et en fait, vous êtes comme ça, tac, 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 voilà, et vous ne pouvez pas, en fait, savoir laquelle, alors que si vous restez là, ça ne veut pas dire que vous ne bougez pas, ça veut juste dire que vous saurez quelle direction emprunter, c'est-à-dire, voilà, quand celle-là disparaît, on va la remettre là-bas, puisqu'elle était là-bas, celle-là disparaît, par exemple, celle-là disparaît, celle là aussi imaginons et bien maintenant vous savez que c'est hop ou alors c'est comme des portes voilà si vous, vous agitez à essayer d'ouvrir toutes les portes vous pourriez gratter celle qui s'ouvre derrière vous alors que là si vous patientez c'est ça la patience c'est juste se replacer au centre comme un joueur de tennis puisque là je crois que c'est les quarts, on est arrivé au quart de finale euh, voilà pour Roland garros et donc là vous saurez Hop, ah bah tiens, c'est là que ça s'ouvre. Ok, je vais, je vais donc me diriger vers là et on verra bien parce que je suis dans le lâcher prise, la confiance. Voilà, au lieu de vous agiter, parce que là il y a beaucoup d'agitation. Il y a beaucoup d'agitation et ça pourrait finalement vous pénaliser et vous euh, maintenir dans la croyance que vous faites mal les choses, que... Voilà, il y a certainement d'autres choses à faire, d'autres moyens d'y arriver, mais certainement pas comme celui-là. Je ne vais pas vous dire, ouais, bravo, continue, parce que je vous, je vous, cou je vous fais courir, enfin, euh, je vous mets, euh, comment dire, ça vous entérine ce <laughs> n'est pas moi, mais ça vous entérine en fait, j'ai pas envie de véhiculer ça, euh, le laisser aller, euh, euh, le fait de ne pas bouger, de, de ne pas prendre les mesures adéquates, euh, voilà, beaucoup de gens qui sont passifs en se disant, bah, si ça arrive, je ne bouge pas. Non, ce n'est pas ça, ne pas bouger. D'accord est plus, plus compliqué que ça. Alors au niveau énergétique, pour vous, ami, balance le jugement. Bah tiens, on vient d'en parler. Il va falloir couper avec ça, même votre manière de vous parler. Et regardez celle qui sort, fausses paroles et mensonges. Ouais, vous avez un petit challenge de pacifier tout ça, un hein, paix intérieure, combat. Euh... Moi, j'ai l'impression que, imaginons, je vous vois comme ça. Vous êtes gonflé à bloc, vous faites les choses qu'il faut, etc. Et puis, vous êtes en mode, waouh, euh, voilà, il est 8 heures du matin, vous commencez votre journée, vous êtes au top. Et là, machin vous dit, euh, machin, machine, hein, vous dit, euh, ah, tu t'habillais comme ça. Moi, c'est audacieux, je n'aurais pas osé, <laughs> d'accord. Euh, non, je... non, 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 j'aime bien. Et là, vous passez une sale journée. Voilà, non mais elle a peut-être raison, ça se trouve, nanani, est-ce que j'ai le temps de retourner chez moi pour... Voilà, alors pour certaines personnes, ce ne sera pas un truc euh, comme ça, mais pour d'autres qui sont effectivement dans une blessure d'âme avec de l'anxiété, hein, on ne va pas minimiser, même si c'est... Ça pourrait être minime pour euh, quelqu'un de, comment dire, de plus confiant ou qui n'a pas le même bagage, qui n'a pas eu les mêmes cartes. Imaginons, euh, là, vous avez euh, un parent qui vous a... Toujours castré, qui a castré chacune de vos envies, qui a éteint tout votre, votre enthousiasme, il l'a... Voilà. Et donc, dans votre dialogue mental, ça ressemble beaucoup à ce que l'enfant intérieur a vécu, du jugement, des critiques, un foyer hostile. à ah, la gorge qui a... Quand j'ai dit ça, j'ai ressenti un... Voilà, c'est comme si ça m'avait arraché euh, l'intérieur. Donc, c'est là. Je pense que pour certaines personnes, c'est là. Donc, comme on se euh, Vous êtes en plein dedans. Mais c'est surtout l'après. Parce que dire non, je ne crois, je crois pas que pour certaines personnes, ce soit si difficile. Par contre, c'est gérer comment vous vous sentez après. Et c'est là que vous devez être en paix intérieure. Ah, l'être aimé, nettoyage profond. Alors, ça peut être votre personne de cœur qui est aussi dans ce challenge. On va voir. Euh, ce qu'elle dit à ralentissement. Je l'avais dit, un vœu qui, se, qui tarde à se réaliser. Réconciliation, là, dans les cartes. Paix intérieure. Qu'en dira-t-on hein? Imaginons, voilà, il y a eu du bagage. Vous en avez parlé à Corinne, Jacqueline, Christiane et Catherine. Et donc, elles ont eu leur mot à dire parce qu'elles ont cru que vous les autorisiez. Hein? Alors qu'elles ne sont pas méchantes, hein? vraiment, je, je, je dis ça sans... Euh, comment dire Sans... Euh sans dédain, sans critique, mais vraiment, en fait, c'est ce côté, je me suis positionnée, alors, t'en penses quoi Qu'est-ce que je devrais faire Mais pour autant, votre cœur, votre direction, votre voie à suivre, elle vous a indiqué que de toute façon, c'était cette personne-là, hein, je pense, pour les liens amoureux très forts, les contrats d'âme, hein, on va dire. Mais, euh, oui, parce que si vous en foutez, elles n'ont plus rien à dire, vous passez à autre chose. Mais dès que c'est fort vous perdez comment dire c'est pas que vous perdez les pédales mais euh, voyez il y a ce côté je veux tellement bien faire j'ai tellement peur de mal faire parce que vous avez effectivement ça hein, euh, imaginons euh, vous arrivez de l'école euh, quand vous étiez petit petite vous arrivez de l'école vous êtes guirée vous, vous êtes guirée et là euh, votre un de vos parents vous dit non euh, mais qu'est-ce que t'as toi va faire tes devoirs waouh et là vous savez pas ce que vous avez fait de mal en fait on dit toujours hein, un enfant qui vit dans la, sous la critique de ses parents ne cesse pas d'aimer ses parents, il cesse de s'aimer lui-même. Voilà. Donc fausse parole, c'est ce que vous vous racontez, ce qu'on vous a raconté. Hein. Je ne sais pas qui, c'est vous, mais probablement que les autres ont confirmé ce dialogue intérieur que vous aviez par rapport à une situation. Et justement, self-centrage. <laughs> Alors je ne refais pas la clé, c'est bon, je pense que voilà, mais c'est là, c'est ce que je disais juste avant. De toute façon quand je sens qu'il faut faire une démo avec euh, voilà, euh, du concret, hein, c'est plus facile que euh, je sens, j'entends, mes guides me disent non, non, on va rester factuel dans cette vie-ci et on va surtout trouver des solutions concrètes. Voilà. Alors, fausse parole, l'osmose. Ouais, ça se trouve, vous dites, ouais, mais ça se trouve, on n'est pas compatible. Non, que nenni, hein, on ne va pas se mentir. Là, voilà, il y a quand même euh, flashback des vies antérieures, relation miroir qui vous fait travailler votre indépendance d'esprit. C'est-à-dire d'arrêter de demander aux autres qu'est-ce qu'ils en pensent. Vous couper avec votre intuition. Je ne sais même pas comment je vais appeler votre vidéo parce que là, il y a des titres qui me viennent. Euh, déjà, réconciliation avec votre intuition recouper, enfin, non, euh, recoller avec le cœur Ouais, peut-être. On est un. Voilà. Recoller <laughs> Re avec euh, le cœur. Bon, on va voir. Je vais voir. Je, je vais voir. Mais là, je pense que va être plus que nécessaire de se libérer. L'indépendance, c'est pas que gagner bien sa vie, être autonome. Non, non, c'est autonome de cœur et d'esprit, c'est-à-dire de ne plus demander. Moi, ce serait pas étonnant que vous ayez été Isolé, écarté des autres pour revenir à ça. Self-centrage, osmose, d'être en accord, parce que votre mental, lui, il aime bien envisager les dangers, il est fait pour. Mais quand quelqu'un vous dit moi je pense que tu devrais être méfier, ouais, je le sens pas du tout. Et là vous êtes là, ah ouais, tu crois Oh, non, mais voilà, vous accordez trop de crédit à ce que disent les autres. Et donc, leur poubelle mentale, elles, elles comprennent qu'elles peuvent les déverser dans votre tête. Hein, ne laissez pas les gens faire mm -hmm, dans votre cerveau. Et je pense que vous avez, pendant... Euh, ouais, je, je vous dis ça à 37 minutes. J'ai 37 ici, 34, 23, 16. J'ai quand même un âge, 23, 23. J'ai quand même un âge. C'est-à-dire, enfin, l'âge... Euh, Adulte, où on paye ses impôts, hein. voilà, on commence en tout cas. Mais j'ai vraiment cette sensation que ça durait depuis un petit moment. Il y a peut-être des choses qui se sont passées quand vous aviez moins de 10 ans. J'ai 11 ans, en moins de 10 ans. Euh, pour certaines personnes, vous avez réalisé que peut-être vos parents, le modèle que vous avez reçu, vivait dans le mensonge. Et prendre sur soi, c'est générationnel. C'est-à-dire qu'on est issu de la génération qui a pris sur elle et qui a pris sur elle. Euh, ensuite, qui s'est rebellée. Mais euh, voilà, c'est... Hop, 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 hop. Alors, -dame, blessure d'abandon. Donc, la personne s'est écartée. Alors, on a drapeau blanc. Vous voyez, il a eu rupture pour euh, éviter de faire n'importe quoi et surtout euh, pour que ce ne soit pas forcément définitif. Moi, je n'ai pas de, de, de définitif là-dedans, mais j'ai plutôt l'impression que ça vous a enseigné quelque chose à vous recentrer sur vous, à, ne, à vous libérer de l'image des autres, du qu'en dira-t-on, de qu'est-ce que t'en penses, Catherine Tu crois que tu devrais nanani Ah non, moi, je ne crains pas. Alors, votre cœur, hop, vous l'avez coupé. Vous avez coupé ce canal et c'est le canal le plus puissant. Le cœur a son propre réseau neuronal, enfin, c'est des... un circuit. Besoin de reconnexion à votre enfant intérieur. Donc là, rien à voir, l'être aimé a rempli euh, sa mission, c'était pas de vous abandonner, mais que vous... Elle vous a montré que vous vous négligiez, que vous vous abandonniez, et notamment votre enfant intérieur. Donc là, il s'agit de réconcilier son enfant intérieur, c'est-à-dire de recouper avec j'ai envie de le faire, je le fais. Voilà. Et là, vous avez l'énergie pour aller jusqu'au bout. Un enfant à qui on dit il est moche ton dessin, il ne il il dessine plus, il, il va être, comment dire, euh, pas dégoûté, il va être annihilé, il va être... Euh, il va se détester, il va se dire bah, je ne sais pas, je ne suis pas bon, euh, je ne suis pas... Non, ce n'est plus, plus possible. Allez, on va aller voir comment ça évolue euh, dans les grandes lignes, parce que là, c'est la partie où, qui est plutôt euh, guidance privée. Ok, puisque là ça ne va pas être le cas pour tout le monde. Alors, on a les épreuves. La foi soulève des montagnes. Moi, je lui vois cette carte-là. D'accord Élévation, s'élever à un niveau supérieur. Ici, on a quoi Alors attendez, je l'ai vu. Ok. Invitation. Ouais, il va falloir en fait se libérer du c'est ou c'est quand, c'est qui, c'est quoi, comment ça va se passer, est-ce que ça va se passer, pourquoi ça ne se passe pas encore, machin. On vous dit accepter des invitations même si elles n'ont rien à voir. Certaines personnes ont suivi mes conseils en guidance privée euh, et elles ont revu leur personne de cœur un jour après. Voilà, elles ont eu des nouvelles un, deux, trois jours après. Voilà. Donc ça peut se passer très vite, hein, surtout quand euh, on débloque ensemble. Euh, ce qu'il y a, euh, ce qu y a de, de, de stocker, de coincer, être à l'écoute de soi. Vous voyez, on en revient, voilà, là on vient de me faire euh, un, un tour complet de ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Et on a l'âme sœur, donc avant de recevoir son message, ou alors vous avez reçu le message, euh, c'est-à-dire, voilà, le message est passé, vous avez entendu, vous appliquez, ça pourrait effectivement, tu es en présence de ta moitié. Euh, ça pourrait effectivement commencer à se décanter. Vous allez commencer à voir des choses qui arrivent aux autres, qui vont vous arriver. Élévation, hein, amour, harmonie, voilà. On vous fait être dans quelque chose pour réceptionner encore hein, l'amour en double Printemps, ça va. Vous avez jusqu'à mon anniversaire. Ok, <laughs> je l'ai calé. Ça y est. Oui, je vais faire un, un petit truc euh, justement, puisque ce sera aussi l'anniversaire de ma chaîne YouTube, les 5 ans de ma chaîne YouTube. Donc voilà, vous êtes les premiers au courant. J'ai décidé ça ce matin. Je me suis dit, ah ouais, ce sera agréable quand même de faire un petit truc. Euh, voilà, donc je vais élaborer ça. Je vous tiendrai au courant. N'en parlez pas, s'il vous plaît. Enfin, mettez en commentaire, euh, j'ai hâte. Voilà, comme ça, vous êtes dans la confidence. Transformation. Chance, chance. Oui, osez, osez. Euh, Osez imaginer que ça puisse se produire déjà et saisissez, au lieu d'attendre, saisissez des occasions, sortez, amusez-vous, voilà, et surtout occupez-vous de ce dont vous pouvez vous occuper, parce qu'il y a des choses qui sont hors de contrôle, c'est-à-dire hors de notre euh, capacité d'agir. Et transformation, les choses sont en train de se transformer aussi de l'autre côté, même si vous ne le voyez pas. Hein. Si on vous dit, bah non, machin, euh, non, non, c'est bon, à un moment donné. Euh, alors, réalisation d'un projet se fait attendre. Alors, on a ici un gain d'argent à venir et on a une réussite, une grande réussite t'attend. Ouais, et en fait, en fin d'année, automne, dans un an, il y a vraiment le côté c'est quand, c'est quand, c'est quand, c'est quand, c'est quand. Et à chaque fois, c'est repoussé. Donc, vous avez l'impression de courir sur un tapis roulant. Donc, il va falloir arrêter de vous poser cette question aussi. Hein, ça, ça, je l'ai dit hein, dans le guide du silence radio, ça vous calque sur l'énergie sur laquelle vous, en plus vous voulez sortir, quoi. Donc c'est contre-productif. Patience, tout vient à point à qui c'est attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Alors je le dis... Dans les commentaires, maintenant, j'efface ce que j'ai pas envie de lire moi, parce que ça, je l'absorbe en fait. Hein. Les personnes qui disent ⁇ ouais, euh, j'en ai marre, nanani, mon autre, nanananana, moi je l'absorbe. Et mon subconscient croit que c'est en train de m'arriver, parce que je ressens des choses quand je les lis et que ce n'est pas en train de m'arriver. Donc maintenant, je prends le parti de supprimer, déjà parce que vous, vous l'inscrivez quelque part et vous l'enterrinez, vous le scellez quand vous l'écrivez quelque part. Et si ça n'est pas supprimé, ça restera comme si vous aviez laissé une consigne et que bah, l'univers va, voilà, va dire « bah ouais, mais il y a ça ». Donc maintenant, il faut vraiment être plus au... comment dire... plus drastique au niveau de ce que vous racontez, de ce que vous écrivez, de ce que vous pensez. Il y a un travail à faire là-dessus. On va dire, c'est de la, la gym, on va dire. Voilà, comme ça, euh, vous allez être tout beau, tout propre de l'intérieur, un esprit sain dans un corps sain. Voilà. Bon, on va se laisser là. De toute façon, on va se retrouver pour la nouvelle lune. Euh, D'ici, euh, donc euh, aujourd'hui ou demain, mercredi. Je vais voir quand est-ce que j'ai le temps de la tourner. Et aussi. Euh, Dimanche, enfin tous les dimanches, hein, pour la vidéo de la semaine d'après. Donc d'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas sur Instagram des tirages à choix réguliers. Aussi, Patreon, la plateforme où on travaille plus en avant. Donc effectivement, c'est un abonnement. Il y a 3 ou 10 euros en formule d'abonnement. Et vous avez beaucoup plus de contenu. C'est plus profond, c'est plus élargi pour vous permettre plus de compréhension et surtout un travail constant et régulier. Hein, L'abonnement, il n'est pas fait pour se désabonner, revenir, partir, revenir, partir. C'est vraiment de la constance qu'on euh, qu travaille donc, sur cette plateforme. Voilà mes très chers, je vous aime, je vous embrasse et je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de juin et on se dit à très très vite. Bye bye <music>